Le festival du court-métrage photo, c'est ce week-end à Souffle. Ce sont des images fixes à qui l'on donne du mouvement, qui sont portées par un scénario, par une belle musique adaptée et qui ressemblent très fort à ce qu'on peut voir du court-métrage film. Le train du Yunnan. À l'honneur ce week-end, deux réalisateurs auvergnats, Ursula et Gérard Diebold. Ils sont venus présenter leurs œuvres. J'essaie de donner toujours un côté un petit peu social à mes œuvres et si possible un attachement régional. Au fait, qu'est-ce qui fait l'identité d'une personne ? Ursula s'intéresse, elle, aux faits de société. Ici, elle évoque l'étrangère. Je ne suis pas née française, mais j'ai ma carte d'identité depuis longtemps. C'est des idées ou des pensées que j'avais au sujet de personnes déracinées. Qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir et leurs difficultés pour se réintégrer ailleurs. Le court-métrage photo, un loisir, un art, une passion, et ça continue dimanche. Dimanche, on fera une rétrospective des meilleurs montages projetés depuis 15 ans. Ça continue dimanche, on vous attend tous. Hein. Et comme dimanche sera froid, venez vous réchauffer au 7 Arpents à partir de 10h. Le festival du court-métrage photo, c'est l'événement culturel du week-end à Souffle.